Alors, vous me connaissez sûrement car c'est moi qui ai créé le monument aux morts à côté de l'école Paul Bert. Je suis un vrai républicain. Je suis le sculpteur de la statuette de Gavroche. Je l'appelais l'héritier de 93 Gavroche. Mais oui, je le reconnais, c'est mon petit Gavroche. J'en ai lu en 1862 dans l'histoire de Misérable. Enchanté, je suis Victor Hugo, l'écrivain. Je suis né en 1802 et mort en 1885. J'ai écrit le Misérable en 1862, de 1598 pages. Et c'est moi qui ai créé le personnage de Gavroche, mon titi parisien. C'est le fils de Thénardier. Moi aussi, je suis un vrai républicain. J'ai critiqué l'empereur Napoléon III, lutté contre la peine de mort et j'ai même été obligé de m'exiler. Et donc moi, je suis Gavroche, un enfant, un gamin des rues. Vous me reconnaissez peut-être, j'apparais dans La liberté qui dans le peuple, le tableau d'Eugène de la Croix. Je suis à gauche de Marianne avec un pistolet à la main en train de courir. J'ai participé aux émeutes à Paris en 1832 et c'est là que je suis mort. Sur la statuette, je marche sur les pavés d'une barricade et je tiens un pistolet entre mes mains. Si je suis tout nu, c'est pour montrer que je suis pauvre, mais aussi pour qu'on me prenne pour un héros mythologique ou un dieu. Je ramasse les balles tombées par terre pour les donner à mes équipiers. Je regarde dans l'arrière pour voir où sont les autres et où sont mes ennemis. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute. Ah!